pour Geneviève de Fontenay. Suivez-moi, Geneviève. Oh. Oh. Que des petits Fontenay. Spéciale dédicace. C'est un micro qui marche. Ça marche très bien. Groupons-nous, groupons-nous. Groupons-nous, groupons-nous. Voilà. Allez. Voilà, la gauche est de retour. Oui. La gauche est en colère. Mais c'est la seule, hein. Bon, bah, venez, on va parler d'amour. Asseyez-vous. Tenez. Bah oui, mais alors je tourne le dos. Non, bah vous ne tournez pas le dos ici. Bah vous non, pouvez mais vous retourner. Je tourne le dos. Oh, bah c'est pas poli ça quand même. Mais regardez, vous Qu'est-ce pouvez vous mettre travail, un là peu. Là, asseyez-vous bien. Voilà. Vous pouvez vous mettre un peu. Oh, il a failli tomber, dis donc. Heureusement que j'ai les fesses rembourrées. Son col du fémur, fais gaffe. Geneviève, oui. Donc je m'installe confortablement parce que je suis là toutes les semaines alors que l'invité c'est qu'une fois, donc il peut quand même souffrir un petit peu. Ah, oh, bah je souffre pas, là, je suis très bien. Ah, bah non, c'est non. ce que je voulais entendre. Non, non, bah non, alors il s'en est passé des choses depuis la dernière fois qu'on ne s'est vu, hein. Ça remonte à une semaine. Oui, il y a eu des amours déchus, justement. Non, vous avez déjà rompu avec Philippot, c'est non, ça? Non, mais arrêtez avec ça, non, franchement. Bah alors justement, non, recadrez-nous. Non, attendez, ça n'a pas été long, non, votre venue. On ne parle plus de ça, c'est terminé. Ah bon? Sinon, je m'en vais. Je remets les choses dans le contexte. Geneviève est très en colère contre Emmanuel Macron en ce moment. Nous avons fait le sujet. Elle a fait un appel pour s'opposer à lui. Oui. Personne n'a répondu. Par opportuniste. Enfin, personne t'exagère. Bon, enfin, Philippot a répondu par opportuniste. J'espère que demain, ça va être la foule. Ça va être le millier de gens demain. Oui. Demain, oui. Demain il va y avoir. Alors, ça, faut pas le dire parce qu'on est aujourd'hui. Ah oui. Non, mais qu'est-ce que c'est, oui, comment c'est la fête jour. À Macron. La fête à Macron, voilà, c'est aujourd'hui. Bon. Alors, et puis donc il a répondu présent à l'appel, ça a été de la récupération politique. Geneviève, naïve et bienveillante, lui a fait confiance, voilà. Elle a regretté dans la foulée. Voilà, mais l'affaire oui est close. Non, oui et non, parce que oui ça, c'est un garçon gentil, on a des amis communs en Lorraine et tout ça. Bon, c'était simplement, on discute, c'est un énarque, c'est un gaulliste, comme tous les hommes politiques. Sont enfin, c'est quand même l'ancien patron du Front National. Vous pensiez qu'il était d'extrême gauche? Ben, il a été avec Chevènement, quand même. Oui, enfin, il y a très longtemps. Bon, ben alors, on ne va pas parler de ça tout de suite. Non, alors, parce que les gens ne sont pas venus pour ça. Voilà. On va parler un peu plus de vous, on parlera de politique plus tard. Bon, ben d'accord, OK. Alors, et tout ce que vous direz, sachez que rien ne sera retenu contre vous ici. Non, ben, de toute façon, tu sais, je n'y fais rien. J'assume ce que je dis, de toute façon. Ça, je le sais. Je vous mets à l'aise. Hein, alors, bon. On va voir vos cases, car vous en remplissez plusieurs depuis le début de votre carrière. Les cases de Geneviève de Fontenay. Nous avons une Miss Élégance. Vous avez été Miss Élégance. Oui. Mannequin. Oui, bah, ça allait avec. Oui. L'animatrice TV. Vous avez présenté des émissions. La guerre des belles-mères sur ABN. La guerre des belles-mères. La guerre des belles-mères. Non, après, j'ai pas fait de ça. C'était la minute vieille que j'ai fait aussi. La minute d'une vieille. Oui, j'ai dit, j'aurais pu mettre senior, ça aurait été plus classe quand même. Dame au chapeau. Ça, oui, bon, on le ça, sait. Ça, je mourrais avec. Hein. Comédienne. Ah, vous mourrez avec votre chapeau. Oh, comédienne, je ne suis pas comédienne. Non. Si vous avez joué dans Les clés de bagnole de Laurent Baffy. Oh, bah, j'ai simplement ouvert la porte. Eh oui, mais c'est pas facile. Ah, ben bah oui, mais. Vous étiez très juste. On a trop souvent de le dire. Encore faut-il s'en rappeler. D'ailleurs, je n'ai pas vu le film, il avait fait des affiches. Allez pas voir ce film, c'est une merde. C'est vrai, et personne n'y est allé. J'étais dedans, alors, il n'y a pas une chance. Ouais, mais il n'y avait pas Philippot dans le film pourtant. Bon, enfin bref. Oh, oubliez-le. Oublions. Je vais finir par croire que t'es. Alors, t'es jamais, non? T'es pas de même chose que lui, non? C'est de la jaquette. Oh là 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 là! Ah ben, attends, tu me provoques, je réplique, hein? Bon, enfin. Il y a des gens ici qui peuvent témoigner que non. Oui, mais c'est l'outing en direct. C'est un outing en direct, Cyril, à vous. Allez, à vous. Et aussi, c'est pas alors, honteux, attention, je vous mettrai le chapeau après. Être hétéro. Je désapprouve cette coupe de cheveux. Merci. Ah, il me va bien le chapeau. Oui. Et enfin, la case, la case pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, la case révolutionnaire. Ah oui, oui, bah oui, groupons-nous, oui, oui. Il y a une autre case qu'on ignore de vous, c'est un peu la case... La case de l'oncle Tom. Non. C'est la case un peu girouette. Girouette. C'est parce que vous étiez les meilleurs amis du monde avec Emmanuel Macron, vous vous envoyiez des SMS. Ah oui, là, maintenant, ça a changé. Et maintenant, vous vous détestez. Ah oui. En fait, vous dites du mal de tout le monde. Non, pas tout le monde. Si vous allez voir, et ça a inspiré notre duo Arthur et Baptiste. Oui, mais vous avez cherché, c'est oui, mais on a trouvé aussi. On a trouvé, ouais. Bon.
Alors, ma chère Geneviève, nous allons parler de ton ami Emmanuel Macron. Ah, c'est ton ami? Ah, c'était mon ami. Ah, je bon le déteste. Nicolas Sarkozy. Ah oh, non, je suis là, alors je ne supporte plus. C'est comme un pantin qui sort de je ne sais où. Ah, bon. Il est là, il est énervé. Il ça. Je suis contre Hollande parce que j'ai voté pour lui. J'ai voté pour lui. J'ai même fait des photos avec lui. J'ai vu, il est comme une limace. Il est dans une bulle. Là, je ne supporte plus. J'ai absolument rien à voir avec la vie politique de Florian Philippot. Il était sympathique, on parlait de choses et d'autres, mais de là à me cataloguer là tout de suite, là, c'est quand même exagéré. Non, mais si Manuel Valls, vous aimez bien, vous n'aimez non, pas... Non, Manuel Valls, maintenant, il devient méchant, il a le regard dur, il est hargneux, il est... Non, je ne supporte ouais plus non plus. Alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est encore autre chose. Ah. Je le considère comme une Française insoumise. Mais là, je voudrais quand même que Mélenchon se réveille. C'est comme la Miss France qui n'est pas Miss Univers. Il n'a pas digéré de traiter. Pour qui allez-vous voter? Ah ben, je me le demande, je me le demande, je me le demande, vraiment. Aujourd'hui, vous le souhaitez. C'est un foutoir. Geneviève de Pontet, c'est Louis de Funès en femme. Parce que pendant le magnéto, elle en remettait une couche. Vous n'avez pas vu, ça. Mais alors, mais quand elle disait que... Manuel Valls, ah oui, alors lui, je le déteste encore. Le fait que c'était sur les réseaux sociaux, ce que j'ai dit, c'est vrai qu'il n'a pas digéré de ne pas être élu président de la République. Et j'ai dit, bah oui, c'est comme une Miss France qui n'est pas élu Miss France. Et j'ai l'impression que ça l'a boosté, parce que demain, il va être là. Ah, être là. Aujourd'hui, oui, donc. Hein. Ah oui, oh merde, pardon. Oui. Bon, bah, excusez-moi, merde, non. Il était là, d'ailleurs. Ah bon? Alors, il était à la manif, là, ah, oui, la fête à Macron, organisée oui, mais, par Ruffin. Oui, il était... mais vous ne trouvez pas que vous êtes naturellement une insoumise? Oui. Pourquoi vous allez vous oui commettre oui avec d'autres leaders vrai, alors qu'au fond, c'est Mélenchon, votre... Je ne fais pas partie de l'organisation, Fadien, mais je pense que maintenant, je pense que ça va être la seule opposition qu'on va avoir. Je ne comprends pas comment tu n'as pas mis ton fauteuil comme ça, ici, qu'on ne tourne pas les autres de dos comme bah ça. Ouais, ça, c'est pour la saison 2. Ah non, mais ça, il serait là comme ça. Ben ouais, alors, allez, vas-y, mais finis tes phrases par connard. C'est bon. Hein, alors. Mais on peut se déplacer comme mais ça. Mais non, ben non. Mais c'est tellement facile. Je sais pas pourquoi t'as pas fait ça. Bon, alors, en ce oui moment, oui, c'est Emmanuel Macron que vous ne supportez pas. Oui, oui. Alors, vous avez il peut-être... Il vient encore d'enlever une taxe. Il a encore enlevé ah, oui une taxe. Ah bah oui, c'est bon, la totale. Savez-vous que, justement, dans son délire mégalomane, oui, ah, oui, il a prévu oui de s'installer dès le mois de septembre... À Versailles. À Versailles. Ah ben bah, ça, j'en étais sûr. Ouais, alors, là, ce là, n'est là pas une blague, alors, c'est là un mensonge, en réalité. Ah, heureusement. Et c'est Paul de Saint-Sernin qui s'en est chargé. Heureusement. Heureusement, parce que, franchement, là, c'est un peu loin. Poutine est vieux, Trump est venu, et puis après il a envie de... Geneviève, on va lancer le magnéto là maintenant. Pour motiver notre invité, donc je vais vous poser des questions rapides pendant 1 minute 30. Nous, on se met en face, on peut faire pause si on pense que la question mérite d'être creusée. Oui. D'accord, d'accord. Et pour vous motiver, il y a 2 choses à gagner. Il y a le livre de François Hollande dédicacé à votre intention. Ah ben ça c'est bien, j'ai pas besoin de l'acheter, ça c'est bien. Mais vous l'avez pas encore gagné, ah, il va Calmes falloir répondre. C'est elle qui est responsable que je suis partie de Miss France. Et Virginie Calmes. Et d'ailleurs, je pense que Juppé n'a pas fait, c'est pas un cadeau pour lui. Hein. Allez, on y va. Alors ma belle Sandrine. Alors, c'est une interview rapide, Geneviève. Il faut aller le plus vite possible. Oh, bah, attention, je suis un incertain, un grand âge, alors il faut me ménager quand même. Très bien. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Geneviève, sous votre chapeau? Mon crâne. Vous dites que vous engueulez Macron par SMS, mais est-ce qu'il vous répond? Oui, bah oui, je l'ai dit tout à l'heure, il m'a dit, vous avez la même obsession que Brigitte, je vous embrasse. Mm-hmm. Qui a écrit « Le sexe est un langage et je veux parler à tous » ? Je sais pas. Céline Tran. Non, c'est pas. Delon ou Belmondo? Bah, les deux sont bien, ils me plaisent tous les deux, oui. Mamie Gâteau ou Tati Daniel? Tati Daniel. Ah oui? C'est un beau film, j'adore oh, le bah, film. Ça, c'est honnête. C'était super. Votre plus grande fierté, avoir toujours voté à gauche ou avoir refusé la Légion d'honneur? Avoir refusé la Légion d'honneur. Oui, parce que t'es à gauche. Parce qu'on la donne maintenant, c'est à l'appel. Hein. D'ailleurs, Macron a fait des milliards d'armes à l'Arabie Saoudite avec la Légion, ce que j'appelle du déshonneur. Voilà. Oh. Est-ce que vous voterez toujours à gauche, puisque votre plus grande carte... Ah oui, 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 de toute façon. Toujours. Ah oui, 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 oui.
Même avec Olivier Faure à la tête du PS. Oui, oui, Olivier. Vous le trouvez sympathique? Non, mais je le trouve très sympathique. Il a une très belle voix, mais on il manque d'empathie. Il faut qu'il se fasse. Il est, c'est un type un peu, qui est très réservé. Il est en cinéma, je crois. Ouais. Mais si, il a des qualités énormes et il faut s'imposer. Ah, très oui, bien, on reprend top chrono. Le film devant lequel vous pleurez à chaque fois? Mais je ne vais jamais au cinéma. Vous ne regardez pas de film? Non. Le surnom que vous donnent vos petits-enfants? Mamie. Avec quel homme vous aimeriez vous retrouver sur une île déserte? Bon, celui que j'ai, je l'ai perdu. Il n'a pas été remplacé. Et je ne cherche pas à le remplacer. Merci Geneviève. Oh, joli, joli. C'est joli, j'allais biper. Merci beaucoup. Alors, j'ai gagné. Alors, oui. Oui, Geneviève, vous avez gagné ce livre qui est dédicacé par l'ex-président de la République à votre attention. Ben, c'est gentil. Et qu'est-ce qu'il a écrit alors? Qu'est-ce qu'il a écrit? Oh, ben, il sait pas, il a pas dû se prendre des risques. Ça, il en a jamais pris. Il n'est pas du tout. Dis-moi, parce que c'est pas mes à Geneviève de Fontenay, qui aura à cœur de lire Les Leçons du Pouvoir, bien cordialement. Ah, ben, c'est ça, dans le fond, c'est une propos. Surtout, il veut que je dise bien son livre. Oui, voilà. Geneviève. Pour la case émotionnelle, je vous propose un tout petit retour en arrière. C'était il y a à peine 43 ans. Louis Parot de Fontenay, votre compagnon, est interviewé à la radio en tant que délégué général du comité Miss France. Et voilà ce qu'il dit. C'est donc que vous représentez en quelque sorte, vous êtes une espèce d'ambassadeur. Une certaine image de la jeune fille française, saine de corps et d'esprit. Et pas du tout la femme objet, mais la femme symbole. Mais surtout, une jeune fille de très bonne tenue, irréprochable, au sourire évocateur de toutes les grâces de notre pays. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est joli? C'est joli. Ouais. Nos comments encore une fois. Nos comments encore une fois. Oui. Merci infiniment, Geneviève de Fontenay. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Tout de suite, Catherine et Liliane, suivie du multiplex du rugby. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un best-of, malgré le Festival de Cannes, mais vous verrez quand même de grands acteurs fabuleux, Christophe Monseigneur, Sandrine Calvérac et Christophe Alévèque. Et n'oubliez pas, le rire n'est pas une opinion, mais une émotion, oui. Bah, j'espère revenir de temps en temps. Eh bien, on vous réinvitera. Bah, oui, moi, je voudrais bien revenir de temps en temps. C'est une émission super sympa. Eh bien, merci, c'est gentil. Alors, on est mieux ici qu'à TF1. Hein. Ah, bah, bien sûr.